fier de participer à ce projet solidaire en partenariat avec Ella et les joueuses du HAC. Donc le but c'est la dictée évidemment, avec faite par les joueuses du HAC, mais aussi de faire des ateliers sportifs organisés par les enfants, c'est ça qui est important aussi, pour soutenir les enfants malades. Et par la même occasion, gagner un petit peu d'argent à reverser à l'association Ella. C'est très bien, on a fait une dictée. Ella, c'est les filles du HAC qui nous ont dit la dictée. Si vous voulez donner un peu d'argent, bah donnez. Aujourd'hui, on a fait la dictée d'Ella et aujourd'hui, on a reçu un handicapé, il s'appelle Kenny. Et puis en même temps, on a reçu les footballeuses du HAC. C'est très bien. D'être avec les enfants pour la dictée d'Ella. C'était un moment super sympa de partage, d'échange. Et je trouve que c'est important et ça fait du bien aussi de revenir aux sources, on va dire. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui à Saint-Aubin-Routeau pour faire la dictée là qui lance l'opération Mettez basket et bas la maladie. Et donc aujourd'hui, c'était une belle rencontre avec les enfants et aussi en étant accompagnée des joueuses du HAC qui nous soutiennent depuis plus de trois ans. Et c'est toujours un avantage d'être accompagnée par elles parce qu'elles apportent beaucoup par leur jeunesse, par leur gaieté. Ça nous aide beaucoup dans notre combat contre la maladie. Et Kenny aime beaucoup rencontrer les enfants et puis être accompagné par les joueuses du HAC, c'est toujours un plus pour nous.